Oh, hey, salut tout le monde, c'est Yo, on n'entend pas le téléphone. Attendez, chut! Ah si. Salut tout le monde, c'est Yo, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 17 de notre let's play de Mafia 2. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je suis chaud patate pour reprendre ce let's play. Lors du dernier épisode, un petit résumé rapide. Nous avons tué Lucas. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom de famille, mais nous avions tué Lucas et grâce à cet exploit, grâce à cette mission menée à bien, nous étions entrés dans la famille de Carlo Falcone et grâce à ce coup de maître, entre guillemets, nous avons gagné une somme astronomique d'argent et nous avons pu plutôt nous acheter cette grande maison de nos rêves. Nous l'avions dit lors des premiers épisodes quand nous étions passés dans cette rue que nous voulions une maison dans ce quartier. Nous l'avons enfin. J'arrive plus à parler. Donc nous sommes au chapitre 10 du nom de service d'étage. Première mission pour la famille de Carlo Falcone. Faire entendre que le mec dans la famille de Carlo Falcone. Et j'ai regardé qu'il y avait 15 chapitres ou 17, je sais plus. Enfin, nous avons dépassé la moitié du jeu et nous approchons lentement et sûrement de la fin de ce let's play. Donc on va y aller, on va pas perdre de temps. On répond au téléphone et on écoute la conversation. Oh, allô? Ouais, Vito, c'est Eddie. Salut Eddie, ça va? Il faut que tu viennes chez Joe, tout de suite. Ouais, ok. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas en parler au téléphone. D'accord, j'arrive tout de suite. J'aime pas les trucs auxquels on peut pas parler au téléphone. Alors maintenant qu'on habite chez la famille, pour une famille, alors attendez, on va prendre lequel. Le noir, je préfère le noir. Maintenant qu'on habite. Oh putain, j'arrive plus à parler. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Maintenant qu'on fait partie de la famille de Falcone, il faut qu'on soit un minimum classe, vous voyez. Hop. Donc c'est ce qu'on fait. Et qu'on ait une belle voiture également, voilà. Ah, j'ai plus d'essence. Nous allons faire un tour ici avant de passer chez Carlo. Je sais pas combien. Non. Je sais pas combien d'argent on a. Et vous vous souvenez, lors du dernier épisode, il y avait une grosse cinématique et je vous ai dit à cause de ça, je vais me prendre des droits d'auteur. Et puis oui, je me suis bien pris des droits d'auteur. Ça fait mal d'ailleurs. Pour ceux qui regardent sur mobile, vous l'avez. Du coup, vous avez pas pu la regarder. Hop, on va y aller. On traverse sur le trottoir en mode. Aucun fucking respect. Alors normalement, alors faut savoir que je tourne cette vidéo jeudi pour la simple et bonne raison que vendredi, donc cette vidéo sort lundi normalement. Lundi, je sais plus combien d'ailleurs. Cette vidéo est censée sortir le lundi et faut savoir que je tourne cette vidéo le jeudi d'avant tout simplement parce que le lendemain, le vendredi, je fais un live marathon. Qui dure jusqu'au samedi matin, donc le samedi pour tourner, donc ça va être chaud déjà. Et puis, oula, pardon, s'il vous plaît, de l'essence. Et puis en plus, le samedi après le marathon, je tourne une série. De la ville. Le plein, s'il vous plaît. Tout de suite, je tourne une série en multi sur Minecraft, assez grosse. Vous la verrez beaucoup plus tard, à mon avis, étant donné qu'on la fait pas tout de suite. En fait, je vais être comédien. Comme ces types là à la radio qui ne rêveraient pas de faire des voix. Non, moi je m'en fous. Merci. Moi je tue des gens, c'est plus marrant. Vous êtes ici chez vous, monsieur. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc oui, on tourne une grosse série en multi, donc ça va être compliqué. Et dimanche, j'aimerais bien me reposer ou faire du montage. Donc on va essayer de tout tourner maintenant. Ça va être extrêmement chaud. Extrêmement chaud. Oui, donc à l'heure que vous voyez cette vidéo, le marathon est déjà passé. J'espère que ça se sera bien passé. On verra bien. Bon, j'en ai déjà fait un de 12 heures de live à peu près aussi. Et franchement, ça me tarde de le faire, le marathon. Mais je sais que je vais m'en prendre plein la gueule, quoi. Je sais que ça va être super difficile. Surtout vers 3-4 heures du matin, je vais souffrir. Bon, allez, on rush. On va chez Joe. Du coup, on habite loin de chez Joe maintenant, beaucoup plus loin. Vu qu'on habite plus chez lui. Parce qu'on avait toujours habité chez lui, juste sauf pendant un ou deux épisodes. D'ailleurs, ça n'a pas duré longtemps, le moment où on habitait dans l'appartement là que Joe nous avait payé. Ça n'a pas duré vraiment, vraiment longtemps. En temps de jeu, je parle, alors qu'en temps
réel. Peut-être que pour Vito, il est resté un an, on sait pas. On sait pas vraiment si il y a écrit des dates, mais personnellement, j'ai pas vraiment fait attention à combien de temps il est passé entre par exemple la dernière mission et la mission de, qu'on fait maintenant. Oups. Oh mon dieu. Donc voilà. Je ne sais pas. Je sais pas si vous faites gaffe au long des chapitres, numéro des missions, tout ça. Moi perso, pas vraiment. Ah, je reconnais l'endroit. On est arrivé chez Joe. Nickel. Oups. Alors je me pose une question, je m'en souviens plus, il me semble que oui, mais je suis pas sûr. Est-ce que les garages sont combinés? C'est une question légitime. C'est-à-dire, est-ce que si je rentre ma voiture dans le garage de Joe, bah, je suis pas motivé pour la laisser à l'extérieur, et je vais la retrouver chez moi après. On va prendre le risque, parce que j'aime bien prendre des risques. Alors, c'est celui-là notre garage. Je suppose que oui, quand même, qu'ils vont pas nous faire... Au pire, on viendra chercher, rien à foutre. Rien à foutre. Allez, on y va. Alors, quelle mission est si importante pour qu'on me réveille de ma grasse mat? Encore une fois, on me réveille toujours de ma grasse mat. Une fois pour les clubs, quoi, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Bonjour. Ils ont détalé devant ma batte de baseball. On aurait dit qu'ils avaient chié dans leur poche. Ça va, les gars? Ah, bonjour, Vito. Arty? Qu'est-ce que tu fais ici? Bah, Joe m'a dit de venir. Il a dit qu'il avait besoin d'un type sûr pour régler quelque chose. Comment ça? Et pour régler quoi, exactement? Ils t'attendent tous, Vito. Bon, bah, on se verra plus tard. Hey, c'est le grand Vito. Bonjour, monsieur Falcone. Salut, Vito. Assieds-toi. Messieurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai appris que tu avais buté Luca, Vito. Bien joué. Grâce à toi, on a la preuve que Clement est derrière l'attaque contre nos gars. On ne pouvait pas l'attaquer de front jusqu'ici. Il a signé son arrêt de mort. Il a kidnappé et torturé nos gars. C'est donc la guerre. Alors quoi qu'on fasse, je pourrais dire au Grand Conseil qu'on n'a fait que répondre. Alberto le sait. Et il va probablement vouloir agir avant nous. Dans ce cas, il faut qu'on bute Clemente. Tout à fait. Et justement, Clemente réunit ses gars à l'hôtel Empire Arms aujourd'hui. C'est l'occasion idéale de les avoir lui et ses lieutenants. Ah ouais, ouais, on a qu'à se pointer et buter une douzaine de types armés jusqu'aux dents en pleine journée dans un hôtel de luxe. C'est ça le plan? T'inquiète, j'y ai réfléchi. Fais chier, Joe, range-moi ce truc. Eddie, t'inquiète, tout va bien. Suffit d'appuyer. Mais putain, ici. Merde, vire ça d'ici. Ok, arrête tes conneries. Non mais quelle gonzesse. Ok, ok, donc on va entrer dans un hôtel de luxe et on va le faire sauter. C'est pas un peu beaucoup? T'inquiète, ce truc est pas très puissant. Ça fera pas sauter tout l'hôtel. Mais tous ceux qui seront dans la pièce où ce truc explosera, y passeront. Comment on saura quand la faire exploser? On aura une nacelle de laveur de vitres. On pourra presque regarder l'explosion. T'as trouvé ça tout seul? Ok, les gars. Je compte sur vous. Si tout va bien, vous serez récompensés. Après le coup, appelez Eddie à ce numéro. Oh, et au fait, le bar reste fermé. Au cas où Alberto ait des projets. Go! Bonne chance, les gars. Et pour le gamin dans le couloir? Tu veux dire, Marty? Il pouvait pas rentrer, parce qu'il fait pas partie de l'organisation. C'est pas ça. Pourquoi il est ici? À ton avis? Il vient avec nous parce qu'il nous faut un chauffeur qui puisse nous couvrir si ça tourne mal. Et puis qu'est-ce que t'as contre lui? Je le connais depuis qu'il est tout gosse, et il m'a sauvé chez les Gominés. Ouais, mais cette fois, c'est pas une bande de connards bourrés. On va s'attaquer à la plus puissante famille de la ville. Et toi, tu prends un môme. Et toi, t'avais quel âge quand t'as choisi de faire ce qu'on fait? On croirait entendre un vieux con. Écoute, il attend dans la bagnole, il nous emmènera après le coup, c'est tout. Il a aucune idée de ce qu'on va faire. Il conduit très bien, et ça, c'est exactement ce qu'il nous faut. Ok, Joe, comme tu veux. Mais moi, je te préviens, je trouve que c'est une mauvaise idée. Bon, mais putain, cette cinématique était longue. Donc, nous allons aller dans une de mes missions qui reste la mission préférée, il me semble. Il me semble, je suis pas sûr, oui, c'est ma mission préférée. Moi, je voulais éteindre la lumière à la gueule. Moi, t'en sais, mieux c'est. Donc... Ce que t'as à faire, c'est de nous ramener si ça tourne mal, capiche? Exactement. Ok. Mais, en cas de besoin, j'ai apporté mon calibre. Du calme, Billy the Kid, d'accord? Tu vas pas avoir besoin de ça. Allez, on y va. Donc, du coup, nous allons aller dans un hôtel de luxe pour le faire sauter. Non, on va mettre une bombe dans la salle des conseillers, normalement. Et on va essayer de les tuer. Ça risque d'être une mission assez périlleuse. Mais bon. Ah, ça c'est chiant par contre. Bon, on va prendre cette bagnole là. On prend la caisse. D'accord, je conduis. Ouais.
toute façon, les missions, je conduis pas. Ça arrive jamais. Fais attention à ma caisse en y allant. On en aura besoin après le coup. Et puis, j'aimerais autant qu'on évite les accidents quand on transporte des explosifs. C'est vrai que... Des explosifs ? C'est vrai que c'est pas ouais, très sûr. Un petit feu d'artifice. Oublie ça, tu veux. Conduis-nous à l'hôtel Empire Arms. Garde-toi dans le parking souterrain. Et prends l'entrée de service. Ok, ok. Bon, mais on va aller à... Pardon, monsieur. On va aller à l'hôtel Empire Arms. Et on va essayer de buter Clémenté simplement parce que je vous le rappelle si vous suivez à moitié Let's Play, Clémenté est le gars qui a enlevé les hommes de la famille de Carlo Falcone, qui les a torturés pour obtenir des informations. Donc du coup comme Falcone le disait bien, allez dites-moi qu'est-ce qu'on va faire à l'hôtel, hein, allez. Dis donc, tu te prends pour qui toi? Je t'ai déjà dit tout ce que t'avais besoin de savoir. Bah je c'est par curiosité, tu vois, tu vois tous ces secrets. Marty, c'est pas pour rien que ces secrets. Moins t'en sais, mieux tu te portes. Et si tu poses encore une question, la prochaine fois, je prends quelqu'un d'autre pour conduire la caisse. Ok, ok, c'est bon, plus de questions. Ouais, c'est bon. D'accord. Avec ces conneries, j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est cool. Alors, c'est vous génial. Vous voulez faire sauter tout l'hôtel, hein? Marty! Pardon, pardon. Si tu l'ouvres encore... Ouais, ouais, c'est bon, d'accord. La ferme. Promis juré. Il parle beaucoup trop. Bon, heureusement qu'on est arrivé, parce que je sais plus ce que je voulais dire. Et heureusement qu'on va pouvoir s'immiscer dans la mission parce que bon, on doit l'avouer, les voyages en voiture c'est pas le plus passionnant et c'est dur à commenter, c'est dur à animer pendant ces voyages là. Mais bon. On va s'en sortir et là on est arrivé. Ah non, c'est pas encore là. Ah si, c'est là. Putain, j'ai peur. Je fais une frayeur là. Putain, ma manette qui couine, je sais pas si vous l'entendez. C'est infâme. Attendez. On y est, voilà l'hôtel. L'entrée du garage est de l'autre côté. Je sais pas si ça va rendre en vidéo. J'ai approché ma manette près du micro. C'est dégueulasse, c'est infâme. Oh. Allez. Garde-toi là. Et oublie pas. Laisse ton artillerie dans la voiture. Faudrait pas qu'un des gorilles de Clemente nous fouille et trouve des armes. C'est où qu'il faut se garer? Non, merde. Attention. Hop. C'est pas là. Oh putain, ça me casse les couilles, ça je vous le dis. C'est eux qu'il faut se garer, les gens. Bon alors attendez, on va pas y aller en marche arrière. Hein. C'est censé être là. Mon dieu, ça va être infâme, je crois. Ah non, c'est bon. Ouf. Écoute, Vito et moi, on entre et on fait ce qu'on a à faire. Toi, tu nous attends ici. Et quand t'entends un gros boom, démarre tout de suite. Parce qu'il va pas falloir qu'on traîne dans le coin. Et laisse tomber le calibre. Sauf si on est poursuivi. Ça devrait pas être le cas. Ok, j'ai compris, Joe. Clemente a loué le 17e étage. Le 3e en partant du toit. Il y a quelques suites et des salles de réunion. Et des gardes. Comment on grimpe là-haut? Par l'arrière, par la buanderie. Quoi, tu comptes laver ton caleçon avant le coup? Du con, la réunion a pas commencé. On chope des uniformes d'employés. Et puis on va faire notre petit ménage tout là-haut. Sérieusement, t'as vraiment trouvé ça tout seul? Mais je t'emmerde. Bon, normalement un gars doit nous attendre dedans avec les uniformes. Allez. Il faut surtout pas faire grabuge avant l'arrivée de Clemente. Alors applique-toi et va pas jouer au con. Et c'est toi qui me dis ça. Toi, reste ici. Je fais toujours le poireau, moi. Non, mais t'as cru quoi? T'as cru qu'on allait te donner des missions périlleuses dès ton premier... à ton coup d'essai, quoi? Non, non, non. Oh merde, c'est fermé. Ce crétin était censé la laisser ouverte pour nous. Y'a plus qu'à attendre et espérer qu'il se montre. Fais chier. Y'a pas un autre chemin, t'es sûr? Essaie si tu veux. Moi je reste ici, au cas où ce gros enfoiré se pointe. Qu'il est con, je te jure. Moi je parie qu'il y a un chemin là-bas. Salut. Hey. Ouais. Tu as vu Ting Lao? Ouais. Et où il est? Il doit être en pot cigarette. Pardon, perdu, mon pote? Non, pas du tout. Forcément t'arrives maintenant, tu te foutrais pas un peu de ma gueule.
Je crois qu'il se fout un peu de ma gueule. Écoute, désolé, mais j'ai pas pu venir plus tôt. Une minute de plus et t'aurais été en retard pour ton propre enterrement. Désolé, j'ai... Ça suffit, j'ai dit. Tire-toi tout de suite. D'accord. Allez, go. Tu vois, on tente Joe à tout prévu. Allez, on récupère nos uniformes. Ah, ils sont là. Une cinématique ou il faut les prendre? Ah, enfiler l'uniforme de garçon d'étage. Nickel, on va changer et vous allez voir. Encore un truc. Voilà, l'uniforme le plus soigné sous les temps. Non mais t'es sérieux? Personne ne pourra nous reconnaître. Non mais ça. Mon dieu. Génial. On y va. Eh bonjour, je suis Mario, livreur de pizza. Putain. Mon dieu. Eh, hey, vous deux, venez par ici. Nettoyez-moi cette merde et vite! Nettoyez-moi cette merde! Quelqu'un va finir par glisser et se faire mal! Ouais, ouais, du calme. Putain, mes employeurs, c'est connard! Allez, on y va! Hey, vous deux! Vous avez encore du boulot là-haut qui vous attend! Bougez-vous! Hey, Richie, viens avec nous! C'était ce fumier de Henri. Ouais. Allez, viens. Il faut qu'on monte avant qu'il revienne. Mon dieu, on a croisé Henri. Il bosse pour Clémenté, j'espère qu'il va crever. Non, il était cool, faut pas qu'il crève. Prends l'ascenseur. Allez, on monte. Ça fait un bail que j'avais pas vu Henri. Il a pas changé. Ah, ouais. J'espère qu'il reviendra pas avant qu'on ait fait le coup. C'est un gars bien, même s'il bosse pour Clémenté. Eh, mais s'il est là. Je préfère pas y penser. Je me sens débile avec ce truc sous mon nez. Ah ouais, pense à ce qui se passera si quelqu'un nous reconnaît. Alors on prend pas de risque, d'accord? Ouais, mais là tout le monde te reconnaît, même avec ta moustache. Hein. Salut! Vous avez mis le temps. Où vous étiez passé? Bah, je sais pas, y'a ton pote qui a renversé le saut par terre. Un truc dans la salle de conférence. Ouais, fous-toi de ma gueule. Ouais. Allez, j'y vais. Vous posez aucune question. Vous regardez rien. Vous nettoyez, point final. Il va y avoir une réunion importante, et le patron va être fou furieux si la pièce brille pas comme un sous-neuf. Alors si vous voulez pas qu'on se fâche, vous la nettoyez à fond, et puis vous dégagez aussi sec. Oh putain. Laissez-moi tranquille. D'accord, désolé, c'était un... Bon, il est en train de draguer. Oui. Ouais, mais c'est pas des douzaines de gardes là, il y en a des milliers là. Le bazar? Ah, le bazar! D'accord, entrez vous deux. Allez, dépêche-toi là. On est bientôt à 20 minutes de vidéo, je vous avais dit que cette mission était longue. Le gars qui était là, il a trébuché, il s'est cogné. Le pauvre mec s'est cogné la tête au moins 5 ou 6 fois. Ouais. Alors maintenant, il y a du sang dans toute la pièce. Et on a une réunion qui doit commencer sous peu. Alors faut me récurer toute la pièce. Et puis faut me le faire très vite. T'as pas l'impression de me prendre un peu pour un con, toi? Putain, les guignols. Eh, hey, calme-toi, d'accord? Je pense qu'ils vont plus te faire chier très longtemps. Oh non, ouais, il a renversé le saut. Tant pis. Il va me donner un coup de main. Ouais. Découper la vitre. Allez, on place la bombe et on la fera exploser lors du prochain épisode. Bleu. Plus. Non, plus. Le rouge. Parfait. Ok. Bon, j'ai presque fini le plus dur. C'est bon, nettoyé. On nettoie. C'est parti. Ah, c'est la partie la plus dure hein, de la mission, hein, nettoyer les taches de sang. Par ici, nettoie ça. Oh, qu'est-ce qu'on est en train de foutre? Tu te foutrais pas un peu de ma gueule, là? Putain, ils sont infâmes, ces gens-là. Ah, on voit la différence. Bon, vous pouvez partir maintenant. Ouais, mais non, pas tout de suite. On partira, les gens, lors du prochain épisode. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode numéro 17. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo. On se retrouve très bientôt dans l'épisode 18. Bisous tout le monde.